Certaines personnes âgées peuvent être en difficulté en raison de leur handicap physique. Et justement, ce simulateur de vieillissement va permettre aux soignants de mieux appréhender ces handicaps physiques pour se mettre à la place de l'autre, à la place de la personne âgée, puisqu'on peut considérer qu'il n'y a rien de tel que de vivre l'expérience pour mieux comprendre et assimiler les difficultés des autres. Donc l'ensemble du dispositif qui pèse une quarantaine de kilos permet de simuler un vieillissement de 40 à 50 ans. Lorsque j'ai testé les lunettes, je n'avais pas conscience que ça pouvait être aussi important et aussi pénalisant. Il y a vraiment une diminution de l'acuité, une restriction du champ visuel qui vraiment peut expliquer aussi l'insécurité des personnes âgées. Ça permet vraiment de mieux comprendre le quotidien des personnes qui sont en difficulté par rapport à leur âge. C'est un outil qu'on peut intégrer dans des formations déjà existantes et proposer une journée spécifique à la découverte et à l'utilisation de cet outil. J'ai des simulateurs en fait qui me donnent une mauvaise sensation d'équilibre, de ne pas être bien sur mes pieds. Les genoux commencent à me faire un peu mal. Et on imagine bien qu'une personne qui a une hémiplégie sur la longue, ça devient insupportable. C'est un bon outil en tout cas pour se mettre à la place. C'est expérientiel et c'est pas théorique. On m'a fait tester l'outil avec des gants qui simulent Parkinson. Et là, je me suis vraiment rendu compte de la difficulté de boire un verre avec des tremblements. J'ai testé les acouphènes, plusieurs sons, plusieurs intensités, l'insuffisance aussi respiratoire, c'est très impressionnante aussi. Cet outil effectivement est très intéressant pour les soignants, thérapeutes, etc., qui vont pouvoir se mettre vraiment dans la peau de la personne qu'ils ont en face, pour pouvoir davantage le comprendre en fait, et être plus dans la bienveillance et dans l'accompagnement. Je vais apporter un champ d'expertise nouveau. Par rapport au catalogue de formation, c'est justement les risques professionnels, comme les risques psychosociaux, la prévention des troubles musculo-squelettiques. Et dans mon rôle de formateur, je pense utiliser cet équipement lors de la formation de manière à leur faire comprendre l'importance d'utiliser des équipements de protection pour justement préserver ce capital santé. Donc le retour des gens qui ont testé ce simulateur était tout d'abord l'étonnement. Ils ont été très surpris du poids que pouvait représenter l'âge, le vieillissement et l'handicap de certaines pathologies. Et je pense que ça leur a amené une prise de conscience sur la difficulté que même pouvaient connaître leurs proches. L'idée de cette journée était de présenter l'outil pédagogique appelé donc le simulateur de dégénérescence et des accidents de la vie. On a bien entendu les problématiques rencontrées et le besoin des structures par rapport à la formation. Ça a été une journée très très intéressante avec beaucoup d'échanges avec les professionnels qui ont bien compris l'intérêt de cet outil pédagogique.